العشرة بدلت ساعة. معليش نجي نكون نكملوا هذه و جو فو ليبيري عم بالكم عم بعمل لها ساعة هي صار إلى ديجا دونك راح نحل شوية عليكم أنا كنت علي وعليكم كيف كيف دونك هاد لا فراز إل فيدير كوا هاد لا فراز تو سامبلومون فيدير كو. Donc, la phrase, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que la réactivité apparente résulte de la contribution volumique de toute parcelle du milieu traversé par le courant émis en fonction de la distance à la source. Donc, elle dépend du contraste de réactivité. Donc, si vous avez un terrain comme ça, donc si vous avez, par exemple, le milieu a de réactivité R1, réactivité. Monsieur, vous pouvez répéter un peu Oui. Quelques secondes. Vous pouvez répéter un peu quelques secondes. Jad, est-ce que je peux. La phrase. Donc, la phrase, elle dit que la réactivité apparente résulte de la contribution volumique de toute parcelle du milieu traversé par le courant, de toute parcelle du milieu traversé par le courant, émis en fonction de la distance à la source. Aussi. En fonction de la distance à la source, maintenant, en fonction de la disposition de vos électrodes. Si on parle seulement des milieux traversés, la contribution volumique de toutes les parcelles de terrain, voilà, où je m'attends, la résistivité apparente dépend des résistivités des terrains. Maintenant, si il y a comme la première couche, il y a une résistivité 1, par exemple, là, il est. On a, bien sûr, mais on a la surface du sol, on a en profondeur, donc Z, voilà. Voilà. Là, c'est en profondeur, et là. Et là, vous êtes en surface, Anaya, à la tour. Voilà. Là, à la tour, la surface du sol. Donc, voilà. Surface du sol. Voilà. Surface du sol. Donc, là, la première couche, on a une résistivité R1. La deuxième couche, et qui est plus en profondeur, par exemple, la première couche est argile, la deuxième couche est calcaire, etc. Donc, il connaît une résistivité R2. Résistivité 2, tout dit là. Donc, la résistivité de l'électricité, par exemple, là, il connaît là, il connaît là, il connaît deux points. La résistivité de la troisième couche, la résistivité R3, 4, etc. Donc, la résistivité de l'Hesbouana, au point A, on se met par exemple point 1. Donc, la résistivité au point 1, la résistivité apparente, mais c'est au point 1, mais on est calculé en surface, que vous allez calculer en surface. Pour calculer en surface associé à ce point. Donc, la résistivité calculée en surface va dépendre. Va dépendre du contraste de résistivité dans le sous-sol, dans le sous-sol. Où je m'attends maintenant, on est au point 1, c'est le point A d'ailleurs. Hop, pardon. Voilà. Maintenant, le point A d'un, il connaît comme la réactivité au point 1, elle sera influencée par la réactivité à la couche AD ou la réactivité à la couche AD. Donc, c'est pour ça qu'on définit la notion de réactivité. Calculé en surface par une réactivité apparente. Maintenant, apparemment, mais la réactivité apparente n'est pas égale à la réactivité vraie de vos couches géologiques. Donc, c'est la réactivité apparente. Apparemment, la réactivité est égale à cette valeur. Après,
il va falloir restituer les régressivités vraies, telles les couches. Ou je m'attends à ce qu'il y a là, qui y a là par exemple, qui y a là, oh, pardon. Les jeunes frères, parce qu'il va falloir que j'enregistre le truc. Voilà. Voilà. Monsieur, s'il vous plaît. Oui. On termine à quelle heure? Dégoûte. Juste une question de la phrase. D'accord, merci. Bien. Donc, vous avez. Voilà, donc j'ai ça. Donc, vous avez la récivité, par exemple, au point d'ailleurs. Voilà, récivité qui est 1. Voilà, récivité 2. Donc la récivité apparente, voilà, par exemple au point M, qui est là. Point M. Allez, je suis au point là, voilà. Hop, voilà. Donc là, je suis au point 1. Au point 1 dépendra de la résistivité calculée en surface hein, associée au point 1. On va dire la résistivité calculée en surface parce qu'on calcule la résistivité en surface. Alors, je me trouve les problèmes on va directement sur le mode terrain, ce qu'on fait sur le terrain, avec les questions. Donc la résistivité calculée en surface associée au point 1, il y a à une profondeur 1, voilà. Va dépendre de la résistivité des terrains 1, c'est-à-dire l'influence des terrains 1 et 2, la résistivité 1 et 2, des terrains 1 et 2, la résistivité 1 et 2. Ou je m'attends maintenant comme point 1 par exemple, donc le point 1 est là, on a l'influence à l'intérieur. Il y a par exemple une moyenne entre les deux, mais à chaque fois qu'on va en profondeur, l'influence, le terrain là, il devient plus. Mais c'est plus le deuxième terrain qui va jouer, qui va influencer, et le troisième, etc. C'est le troisième et le quatrième, etc. Donc la résistivité que vous allez calculer en surface, c'est ce qu'on appelle la résistivité apparente. Donc elle dépend. Vous le notez, dépend du contraste de résistivité des terrains et dépend aussi, pour les modèles théoriques associés à des terrains homogènes isotropes, dépend aussi de la géométrie de votre dispositif. Maintenant, sur le terrain, le cas réel, la résistivité apparente dépend de la géométrie de votre dispositif et elle dépend aussi du contraste de résistivité des géologies. علاش كيتخدموا بان ديسبوزيتيف في التيران بطلعوا التيران تخدموا بان ديسبوزيتيف سي يكملوا به كاع خير شكون اللي كنتبدلوه دونك زالي افوار ديجا دي فالور دو ريسيفيتي كي ني سيرون با لي ميم دونك لي شوز ني بوف ني با تيت كومبارابل انتر ايل فوالا دونك سي تو سكو جو فولي دير بور سيت ديابو بور سيت فراز يعني بور ديفينير ان تي بو
donner un sens à cette deuxième phrase, et à la notion de récivité apparente. Donc voilà, donc on a terminé aujourd'hui pour ce cours. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Si vous avez des questions. Si vous avez des questions, marhaba les gens. On dirait qu'une partie sera enregistrée. Donc, vous avez le temps de reposer, vous. Préparez-vous avec le TPH, d'ici là, on a les quinzaines de jours, donc normalement, il y a une donc, vous allez voir les derniers cours sur la chaîne. Donc, il faut qu'ils assistent, parce qu'il arrive des choses. On a assisté, par exemple, Lyon, mais je suis malheureusement. J'ai fait ma liste de présence. Le cours sera noté. Voilà. Voilà. Donc, si vous n'avez pas de questions, les jeunes, on termine par ça. Il y a maintenant les questions. Merci, monsieur. Bonne nuit. Saha, aïe, aïe, mala, bonne nuit. Allez, bonne. Merci, monsieur. Donc, on va lui poser la question à la chaîne YouTube. On va lui le lien à la chaîne. Le lien à la chaîne YouTube. Le lien, comment poser des questions à le lien, le lien, les gens, Bouzid, Wassim ou Ayman, le lien. Merci beaucoup, cher. Il y a de rien. Et la bonne nuit, les gens. Bonne nuit, hello, hello.